Bonjour à toutes. Je vous présente donc, j'avais fait les petits chaussons qui est sur ma chaîne, très facile à faire. Et donc pour aller avec ces petits chaussons, j'ai décidé de faire une petite barboteuse. Donc c'est une barboteuse 0-3 mois. Très facile à faire parce que c'est tout au point mousse. Et en haut, des côtes de 2. Rien de compliqué. Très facile. Pour celles qui ont vu la petite culotte qui est sur ma chaîne aussi, c'est le même principe. Je vais vous expliquer ça. Donc celle-ci, je l'ai faite avec des pressions. Et là, je vais la faire avec des boutons. Comme ça, je vais faire avec les boutonnières. Pour celles qui veulent mettre des boutons. Donc, pour ceci, j'ai utilisé de la laine 3-4 et des aiguilles 3,5. Alors, pour celles, quand je présente les aiguilles, oui, ce sont des circulaires, mais tous les tutos que je présente, je les tricote comme si j'avais des aiguilles droites. C'est tout simplement, comme j'ai la caméra entre les bras, des longues aiguilles, j'aurais du mal à tricoter et à vous montrer comment faire. Donc c'est pour ça que je fais avec des circulaires, c'est beaucoup plus facile et pratique pour moi, pour pouvoir vous présenter les tutos, tout simplement. Mais ça arrivera peut-être que j'ai... un petit chausson que je vais peut-être présenter ultérieurement. Il se fera en circulaire, mais je préciserai au démarrage si c'est en circulaire. Donc là, pour le moment, tout est en aiguille droite, des aiguilles traditionnelles. Donc n'ayez pas peur quand je présente mes aiguilles. Si je précise pas, c'est que tout se travaille comme des aiguilles normales, traditionnelles droites. Donc 3,5 et une laine 3-4. Alors pour commencer, on va monter 16 mailles. Donc on monte les 16 mailles et on se retrouve. À tout de suite. Une fois montées nos 16 mailles, on va faire 3 rangs. Alors, je ne vais pas filmer les 3 rangs. Hein. Je vais faire 3 rangs au point mousse. Donc, tout à l'endroit. Alors, faites attention au démarrage de ne pas vous tromper de fil. Hein. Ce serait dommage, sinon on serait obligé de recommencer. Donc, 2. Je sors peut-être un peu du rond là. Donc tout à l'endroit. Et on va faire ceci 3 fois. Donc là j'ai fait un rang. Le deuxième. Puis le troisième.
Et là, au quatrième rang, on va faire les boutonnières. Donc, on commence par le bas pour aller vers le haut. Donc là, on va faire les boutonnières. Donc, on va tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles. Un jeté, donc on pose le fil sur l'aiguille. On ramène le fil entre les deux aiguilles. On le pose sur l'aiguille. Et on tricote 2 mailles ensemble. Donc on prend les deux suivantes, on les traverse et on les tricote ensemble. Voilà ce que ça donne. Là où il y a le petit trou qui se forme, ça sera la boutonnière. Une fois qu'on a fait ça, on tricote 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. On recommence un jeté, donc le fil sur l'aiguille. 2 mailles ensemble, on traverse les deux ensemble et on les tricote ensemble. Voilà ce que ça donne. Et on retricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, un jeté, donc on pose le fil sur l'aiguille, les 2 mailles ensemble. Voilà, troisième boutonnière et une maille. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on va faire 6 rangs tout à l'endroit. Et les boutonnières, on les tricote comme elles viennent. Donc c'est normal, s'il y a un trou, c'est pour les boutonnières. No panique. Là, le cinquième rang tout à l'endroit, donc ça sera mon premier rang. Il m'en reste encore 5 à faire. Vous voyez, ça forme des petits trous pour les boutonnières. Donc là, j'en ai fait un, et on se retrouve une fois que vous avez fait les 6 rangs au point mousse. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Pour celles qui ne veulent pas faire les boutonnières, hein, qui veulent faire comme j'ai fait pour celle-là, des boutons pression, on fait tout simplement 10 rangs au point mousse. Tout simplement. Une fois que les 10 rangs sont faits, on va commencer les augmentations ici. Et ça va former un petit motif. Hein. Ça fera une petite bordure tout au long, tout autour de la culotte en fait. Moi je trouve ça super sympa. Alors pour cela, on va faire. Donc ça sera toujours au point de mousse. Hein. Donc 1, 2 mailles. Et vous voyez, quand vous tirez sur votre tricot, vous tirez un peu là. Vous voyez le fil, hein. Il y a un fil tout seul là. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et ben, je le prends, je le pose sur mon aiguille à côté. Et je viens le tricoter, tout simplement. Donc, j'ai fait un rajout, donc une augmentation. Et je continue. Et je m'arrête à 2 mailles avant la fin. Pour faire mon augmentation aussi. Voilà, il me reste 2 mailles. Je tire un peu sur mon tricot. Vous voyez, il y a le fil qui se défait. Je le prends, je le pose sur mon aiguille et je viens la tricoter comme une maille à l'endroit. Tout simplement. Et je fais mes 2 dernières. Je tourne mon travail. Donc là, on a fait un rang d'augmentation. Je tourne mon travail. Le rang suivant. Donc ça sera le rang à l'envers, tout à l'endroit.
je tourne mon travail et on va faire un rond d'augmentation. Donc on va travailler comme ça, un rond d'augmentation, un rond tout à l'endroit. Donc je recommence, une, deux mailles, ça sera toujours pareil, deux mailles au démarrage. Je prends mon fil ici, je le pose sur l'aiguille, je la tricote, ça me fait mon augmentation. Et je continue. Et je fais mon augmentation à la fin, avant les deux dernières mailles. Il me reste deux mailles. J'ai mon fil ici. Alors, vous n'hésitez pas à tirer un peu si vous ne voyez pas trop le fil. Hein. Il vient tout seul. Hein. C'est tout le premier là-haut. Je le pose sur mon aiguille et je le tricote. J'ai fait une augmentation. Deux mailles. Une et deux. Le rang suivant, tout à l'endroit. Alors, si vous commencez à faire les augmentations et que vous devez arrêter à tout moment, n'hésitez pas à mettre sur un papier de savoir où vous en êtes. Parce qu'à un moment donné, il faudra arrêter les augmentations. Donc, et vous ne saurez plus si vous avez fait le rang d'augmentation ou si c'est un rang tout à l'endroit. Donc, toujours avoir un papier et un crayon à côté de soi pour noter ce que vous faites. Hein. Une fois qu'on a fait ça, donc tout à l'endroit, on recommence. Une, deux mailles, l'augmentation. Donc je prends ma maille, je la pose sur mon aiguille et je la tricote. Et on va jusqu'à la fin. On fait l'augmentation aussi à la fin, deux mailles avant d'arrêter le rang. Mes deux mailles, je prends mon fil qui est ici, pose sur l'aiguille, je la tricote et mes deux mailles. Je tourne mon tricot et je fais le rang tout à l'endroit. Un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit, un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit. Donc j'ai 2, 4, 6, 8. Donc là j'ai 22 mailles. Vous voyez, ça, on forme les côtés et les petits trous qui forment la bordure ici. Donc là j'ai 22 mailles. On va continuer à tricoter comme ça, un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit, un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit, jusqu'à obtenir 50 mailles. Quand vous avez vos 50 mailles, vous arrêtez. Vous faites bien sûr le rang tout à l'envers et vous arrêtez les augmentations. Donc je vous retrouve une fois 50 mailles sur l'aiguille. Donc vous continuez comme ça, un rang d'augmentation, donc deux mailles. Je prends je vais faire le dernier, celui-là avant de vous laisser. Donc deux mailles. Je prends mon fil qui est là, je le pose sur l'aiguille et je le tricote. Donc j'ai fait une augmentation. Donc ça fait 23 mailles.
reste 2 mailles. Là, pareil, j'attrape le fil, je le pose sur mon aiguille, 24e. Je fais une augmentation. Donc vous faites ça, vous tournez votre travail et tout à l'endroit. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est très facile à faire. Après, il suffit de bien compter et d'avoir un papier, un crayon à côté de soi pour savoir si vous êtes en augmentation ou en rang à l'endroit. En cas où, si vous êtes dérangé ou si on vous appelle « Maman !» Donc comme ça, vous savez où vous en êtes, hein. Donc voilà, on se retrouve une fois vos 50 mailles sur l'aiguille. A tout à l'heure. Une fois nos... voilà ce que ça donne. Une fois nos 50 mailles sur l'aiguille. Donc vous voyez, ça fait des petits trous. Hein. Donc là, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça me fait 17 petits trous et 50 mailles. Donc normalement, vous devriez avoir autant. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va tricoter. Alors, ça va être très simple. Tout à l'endroit pendant 24 cm. Donc là, les augmentations, c'est fini. Là, on va tricoter donc de haut jusqu'ici 24 cm. Tout à l'endroit. Donc, il n'y a pas de complications. Et une fois qu'on aura fait 24 cm, total, tout à l'endroit, on se retrouve. À tout à l'heure. Rectification, je ne sais plus si je l'ai précisé. Pour celles qui veulent faire à pression, c'est 10 rangs au point mousse. Et après, on attaque les augmentations comme ici. Cela ne change absolument rien. Une fois qu'on a nos 50 mailles, donc ne pas oublier les augmentations, une au démarrage, une à la fin, un rang tout à l'endroit, 2 mailles, une augmentation, tricote, une augmentation, 2 mailles. Surtout, ne vous trompez pas parce que ça va se voir si vous ne faites pas les augmentations correctement ou si vous en oubliez une. Donc logiquement, ça saute. Donc 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50. Donc logiquement, vous ne devriez pas vous tromper. Donc si vous avez peur de vous tromper, surtout n'hésitez pas à prendre un papier et de marquer au fur et à mesure où vous en êtes pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc, une fois fait les augmentations, maintenant, ça va être très simple. Tout à l'endroit, au point de mousse, il n'y a plus rien. Donc les 50 mailles, tout à l'endroit, jusqu'à avoir 24 cm de haut total. Une fois qu'on aura les 24 cm, on se retrouve à tout à l'heure. Voici ce que ça donne une fois tricoté les 24 cm. Je ne sais pas si vous voyez, 24 cm. Une fois qu'on a fait ça, donc là, vous voyez, hein, c'est tout à l'endroit. Il n'y a pas de diminution, il n'y a rien. Donc c'était super facile à faire. La suite, il n'y a rien de compliqué non plus. On va commencer par rabattre 8 mailles. Donc je tricote
deux mailles, j'en prends une pour passer par-dessus. Donc ça m'en fait une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7 et 8. Une fois que j'ai rabattu ces 8 mailles là, je tricote le rang en entier. Donc bien sûr, toujours au point de mousse. Hein. Pour le moment, on ne change pas de point. Donc on fait tout le rang. Une fois qu'on a fini le rang, on tourne notre travail et on va... J'ai un paquet de nœuds là. Alain qui s'est emmêlé. Voilà. Une fois qu'on a terminé notre rang, on va rabattre 8 mailles. Donc, comme on a fait à l'autre extrémité, donc je tricote une, je tricote une deuxième, je prends la première pour passer sur la deuxième. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Une fois qu'on a rabattu donc nos 8 mailles, on va commencer à tricoter. Donc là, j'ai fait une, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Une, deux, deux à l'endroit, deux mailles à l'envers. Deux à l'endroit. Deux à l'envers, deux à l'endroit, deux à l'envers, deux à l'endroit, deux à l'envers, deux à l'endroit, deux à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, et on finit par deux mailles à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail, et comme on a fini par deux mailles à l'endroit, on commence par deux mailles à l'envers. Hop. Donc, deux mailles à l'envers, donc une, deux, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, à l'endroit, donc deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit,
2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on finit par 2 mailles à l'envers. On tourne notre travail. Comme on a fini par 2 mailles à l'envers, on reprend par 2 mailles à l'endroit. Donc là, c'est notre troisième rang. Ah, c'est le troisième rang et il m'en faudra 16 au total. Donc, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, non, qu'est-ce que je viens de dire, 2 à l'endroit, donc 2 à l'envers. Mon aiguille va bien, c'est ma langue qui fourche. Donc 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, et on finit par 2 à l'endroit. Et ainsi de suite. Et vous voyez, ça forme donc les côtes de 2. Et il nous faut, là on a fait 3 rangs, il nous en faut 16 au total. 14, excusez-moi, je dis des bêtises, c'est 14 rangs au total. Donc je vous dis à tout à l'heure. Une fois qu'on a fait donc les 14 rangs, en côte de 2, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire les bretelles. Donc, on va tricoter 10 mailles, donc toujours en côte de 2. Donc là, je suis à l'endroit, donc je fais une à l'endroit, 2 à l'envers, ça fait 4 à l'endroit, 6 à l'envers, 8 à l'endroit, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Une fois que j'ai fait ça, nous allons rabattre 14 au centre. Donc je tricote, donc là je suis à l'envers, je fais 1, 2, et je prends la première pour rabattre la deuxième, donc ça fait 1. Donc là je suis à l'endroit, donc 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, six, deux, quatre, six, huit, dix. Alors, là, je suis à l'envers. 14 et je dois en rabattre 14 et il doit m'en rester 10. Donc je compte 2, 4, 6, 8, 10, encore 2, donc à l'envers.
ma 14e. Et donc là, 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai encore une sur mon aiguille là. Donc je la rabats. Et là, je termine mon rang. Donc 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers et 2 à l'endroit. Et normalement j'en ai 10, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà comment ça se présente. Une bretelle, deux bretelles. Cela sera en attente. Et là, on va continuer à tricoter. Pendant 16 rangs. On va faire ça pendant 16 rangs. Donc là, je suis à l'envers. Donc je recommence mon rang ici à l'envers. À l'endroit. Je continue les côtes de 2. Et nous allons tricoter pendant 16 rangs. Nous allons faire des boutonnières. Il n'y a rien de compliqué, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Donc là, c'est le deuxième rang. Et on va tricoter comme ça, donc 16 rangs, et on se retrouve pour faire la boutonnière. Donc là, c'est le troisième. Ça va très vite, hein. Et le quatrième rang. Cinquième. Et sixième. Et je vous laisse faire les 10 derniers. Donc au total 16 rangs. Donc là moi je suis arrivé au sixième. Donc n'hésitez pas à marquer sur un papier le nombre de rangs que vous avez tricoté pour savoir où vous en êtes, pour avoir le bon nombre de rangs. Voilà. Donc là, moi, j'en ai fait 6. Hein, voilà ce que ça donne. Hein. Donc la bretelle, elle se monte. Hein. Donc, je vous retrouve au 16e rang. A tout de suite. Une fois qu'on a fait nos 16 mailles, donc voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur l'envers. Donc, on commence, on va tricoter 2 mailles à l'envers. Tiens, ma laine. Donc, je disais 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 à l'endroit. On va faire un jeté, donc on pose le fil sur l'aiguille et on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait
deux mailles à l'endroit et on termine par deux mailles à l'envers. Voilà, on tourne notre travail et maintenant on va faire deux rangs. Donc là c'est deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit. On tourne et on va faire deux mailles à l'envers, deuxième rang, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Et maintenant, on va rabattre. Donc, comme tout à l'heure, donc là on est sur l'endroit, donc deux mailles à l'endroit. J'en prends une et je la fais passer sur la deuxième. À l'envers, je tricote la maille à l'envers. Je prends, je passe par-dessus. À l'envers, je passe. À l'endroit, je la tricote à l'endroit. À l'endroit, tricote à l'endroit. À l'envers, je la tricote à l'envers. À l'envers, je la tricote à l'envers. Et à l'endroit, et à l'endroit. Et là, je coupe mon fil. Je laisse une petite longueur pour pouvoir aller le cacher tout à l'heure avec une aiguille, tout simplement. Voilà. Et je fais mon nœud. Et ma bretelle est finie avec ma boutonnière qui est ici. Donc là, je refais la même chose de l'autre côté. Par contre, donc moi, j'ai juste à faire glisser mon aiguille. Vous, vous faites glisser toutes vos mailles sur une aiguille parce qu'au final, on va démarrer de ce côté-là. Donc, vous prenez votre travail. Je vais faire comme si je faisais glisser mon aiguille pour la mettre dans le bon sens. Donc je prends la maille et je la fais glisser. Voilà, je ne change pas de sens, je les prends comme ça vient pour les faire glisser sur ma maille, sur mon autre aiguille. Et là, je suis prête à tricoter. Donc une fois qu'on a nos mailles comme ceci, prêt à tricoter, je prends mon fil et je tricote donc les deux premières mailles à l'endroit. Moi je tiens mon fil derrière et donc deux à l'endroit, deux à l'envers, deux à l'endroit, deux à l'envers, deux à l'endroit. Donc le premier rang, on fait comme tout à l'heure 16 rangs, la boutonnière et on rabat les mailles. C'est exactement la même chose. Et je vous retrouve pour la suite, la deuxième partie. Donc voici la première partie finie. Voilà, on a fait les bretelles avec les boutonnières et les boutonnières en bas. La deuxième partie se fait comme la première, sans les boutonnières. Donc 10 rangs au point mousse,
vous faites les augmentations comme on a fait sur la première partie. 24 cm de point mousse. Donc on reprend 8, on rabat 8 mailles, on tricote le reste et on tricote tout le rang. On tourne, on rabat 8 mailles. Et à partir de là, on attaque les côtes de 2, exactement comme cette partie-là. On fait jusqu'ici, c'est la même chose. Au lieu de faire 16 rangs ici, on va en faire que 14. Sans boutonnière, c'est exactement la même chose. 14 rangs, on rabat et c'est fini. Tout simplement. Donc 14 rangs ici. La seule différence, c'est ici. 14 rangs au lieu de 16. Sans boutonnière. Là, c'est la partie sans boutonnière. Pas de bouton, pas de boutonnière ici, pas de boutonnière en haut. La première partie, on a fait les boutonnières. La deuxième partie, on n'en fait pas. Donc, exactement la même chose, sans les boutonnières. Et donc ici, 14 rangs au lieu de 16 et la boutonnière et le reste. Donc on fait que 14 et on rabat. Tout simplement. Et puis on se retrouve pour la couture. Donc voilà, après avoir tout ramassé, donc les fils, la couture, donc je mets bord à bord. Là j'ai mis une aiguille hein, parce que j'ai pas mes pinces à portée de main, et je prends une petite boule à droite, une petite boule à gauche, petite boule à droite, petite boule à gauche. Et je fais comme ça jusqu'en haut. Je tire bien sur mon fil au fur et à mesure pour bien serrer la couture. Ça passe propre et joli. Je tire bien dessus, mais je retire dans la longueur pour pas que ça soit trop serré non plus. Pour que ça fasse pas serpentin, c'est pas le but recherché. Hein. Que ça fasse une belle couture propre. Donc on se retrouve une fois arrivé là-haut. Une fois arrivé là-haut, je refais un deuxième point et je redescends quelques mailles pour aller faire un petit nœud et aller cacher mon fil dans la couture pour que ça soit discret. Donc là je vais faire mon petit nœud. Hop, je suis hors du cadran, donc je fais mon petit nœud. Et là, hop, et je vais venir passer mon fil dans mes mailles que j'ai cousues. Petit coup en marche arrière. Donc moi je retire toujours un petit peu pour pas que ça fasse serpentin. Voilà. Et je coupe. Et mon fil de démarrage ici, c'est pareil, je vais venir le cacher dans ma couture. Hop, par précaution, je fais un petit nœud. Et je vais venir le camoufler dans la couture que j'ai faite. Voilà. Un petit coup en marche avant.
et un petit coup en marche arrière pour bloquer le fil. Voilà. Et je coupe. Donc là, je retourne. Voilà comment se présente donc plus qu'à installer les boutons ici. Voilà, et ici un bouton, un autre bouton ici, hop, voilà. Et nous avons la gigoteuse terminée. Donc, il me reste juste les boutons à mettre. Je vous laisserai mettre les vôtres. Donc, j'espère que le tuto vous aura plu. Pour celle qui fait du crochet, donc avant de coudre les deux parties, sur celui-là, je l'ai fait. Donc, c'est un tour au crochet. Tout simplement tout le le contour de tout sur les deux pièces, et après je fais la couture. Là je l'ai pas fait sur celui-là pour l'unique raison, c'est que tout le monde ne fait pas de crochet, mais la finition elle est pas vilaine non plus sans faire avec le crochet. Donc après chacun voit comme il le veut, comme il le souhaite. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc là c'est une barboteuse, enfin moi j'appelle ça une barboteuse, salopette, manche courte et jambe courte, 0-3 mois, très facile à faire comme vous l'avez pu le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'espère que le tuto vous aura plu, et je vous dis pour un prochain tuto. À bientôt.